Garder sa motivation, c'est un art. Dans ce sens que vous fixez un objectif et puis, pendant que vous êtes en route vers votre objectif, votre motivation grandit, elle grandit, elle grandit jusqu'à ce que vous atteigniez cet objectif. Une fois que vous l'avez atteint, votre motivation devient éphémère. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est quelque chose qui a besoin d'être nourri. Ça a besoin d'être alimenté par quelque chose qui est à venir. Que ce soit un défi, un challenge quelconque, mais que ce soit quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc, présentement, si vous êtes dans un creux dans votre motivation, la première chose que vous devez faire, c'est de vous fixer un objectif. Même si cet objectif n'est pas grand, ce n'est pas grave. Le but, c'est de commencer à vous mettre en mouvement vers un objectif. Et aussitôt que vous le pouvez, fixez-vous un second objectif pour lorsque vous aurez atteint le premier. Donc, l'important ici, c'est de garder toujours à l'esprit un prochain sommet à gravir. C'est comme ça que vous garderez votre réelle motivation. Merci de partager cette vidéo parce qu'elle peut aider beaucoup de gens. Je suis en conférence et en journée de ressourcement dans plusieurs villes, peut-être même que je passerai près de chez vous. Rendez-vous sur paulrousseau.com et s'il vous plaît, réservez vos billets à l'avance. Au plaisir de vous y voir. Ciao!